Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes sur Dragon Ball Z, Dokkan Battle, et un nouveau portail d'invocation vient d'arriver avec, comme vous le voyez à l'écran, eh bien, Monsieur Bardock, Super Saiyan 3, leader de la catégorie justement Super Saiyan 3, et dans ce fameux portail, eh bien on va retrouver le Goku Ange aussi, de type Super Saiyan 3 technique, qui est vraiment très très bon, et à côté de ça on va retrouver, eh bien, d'autres personnages comme notamment Monsieur Omega Shenron, que j'aime beaucoup. Omega Shenron, qui est juste monstrueux, qui est peut-être une des meilleures cartes à mon goût, je trouve, sur le jeu. En tout cas, sa team Dragon Maléfique, elle est complètement fumée et il me fait des dégâts, mais qui sont juste magnifiques. Donc lui, si vous ne l'avez pas, invoquez sur ce portail parce que vraiment, il vaut de l'or. Vraiment, ce personnage, il vaut de l'or. À côté, bon, on en a parlé, voilà, on a le Goku Super Saiyan 3 technique, qui est un personnage limite indispensable à la team Super Saiyan 3. Le Vegeta aussi, le Vegeta qui est pas mal parce que je crois il tanque sur 7 ou 8 tours et en plus de ça il bloque l'attaque spé, donc en soi ça peut toujours servir. Mais on va surtout l'utiliser pour sa tankiness durant les premiers tours, du coup durant les 7 ou 8 premiers tours. Bon, Vegeta Blue il a rien à faire là-dedans, Trunks Hikari aussi, Janemba aussi. Mais bon, écoute, ils sont là, on espère qu'on n'aura pas ces personnages-là. En priorité, je vise forcément le Bardock, et on va viser forcément le leader catégorie. Si je peux avoir un petit Omega, je dis pas non. Si je peux avoir un Goku Ange, je dis pas non, sachant que j'ai un petit doublon dessus, je crache pas dessus. Et après, le reste, Osef, j'ai envie de dire, voilà, c'est pas le portail de l'année non plus, mais vu que j'ai 113 pierres, eh bien, on va se faire l'équivalent de deux multi-invocations. On sait maintenant que, quoi qu'il arrive, il y a une SSR garantie. Si on peut essayer d'aller récupérer, en plus de ça, d'autres SSR, dont notamment le Bardock, eh bien, je dis pas non, et j'espère que ça va arriver. Allez, on va démarrer du coup avec la première multi-invocation. 3, 2, 1, allez, let's go, en espérant que la chance soit avec nous. Ok, Shenron, mais bon, Shenron, vous le savez, ça veut rien dire maintenant. Enfin, en général, il me porte malheur à ces derniers temps. Bye bye les gars, ça c'est pas mal. Bye bye les gars, c'est pas mal, faut voir ce que ça donne. Ouais, alors, ok, on va commencer avec un... monsieur n'a pas de chance. Très bien. C18. C18. Ciao, ouais, bon, alors là, les SSR, pour le moment, elles se font un peu rares. Après, c'est pas grave, c'est le début de la multi-invocation. Ah, ben, en voilà une. Ouais, Végéto technique. Alors bon, qu'est-ce que je vais en faire de ce personnage-là? Je sais pas trop, mais bon. Ah, c'est quoi, C18. Technique aussi. Alors on a des SSR, mais alors voilà la gueule des SSR, hein. Elles sont pas belles. J'espère que la dernière me portera un peu plus bonheur, parce que sinon c'est un peu triste. Yakon, monsieur Yakon. J'avais kiffé le combat de Goku contre Yakon, où justement il se laisse absorber l'énergie Goku et d'un coup il lui en envoie trop et pouf, il explose. Oh, c'était trop stylé ce moment là. J'avais kiffé. Je crois que c'était dans le vaisseau de Babidi, si j'ai bon souvenir. Le Bardock agilité, ok. Mais en soi, bon, Bardock, on va pas l'utiliser. Je crois qu'il en reste une. Ah non, il en reste. Ah, c'est un SSR, c'est lui le SSR garanti. Ah, j'espère que c'est pas lui. Non, c'était pas lui. Ah ouais, bon, bah, pff, si c'est pour avoir ça derrière... Ah, la multi... Alors, ok, 4 SSR. On a 4 SSR, mais... dans les 4 SSR, est-ce qu'il y en a, ne serait-ce qu'une seule, qui va m'être utile? Telle est la question. Et là, pour le coup, j'ai envie de te dire... Je pense pas. Je pense que là, il n'y a aucune des 4 SSR qui va m'être utile. Bon, lui, il a un éveil d'Okan. De toute façon, ils ont tous un éveil d'Okan, là. Lui, je l'ai. Alors, à la rigueur, je peux lui mettre un petit doublon dessus dans la team super technique, en tant que support. Ça peut toujours être pas mal. Ça peut être pas mal. Je sais que quand il part en attaque spé, il augmente, je crois, les dégâts ou la défense, ou peut-être les deux. Donc, à la rigueur. Piccolo est pas mauvais, mais... Ouais, c'est un support, quoi. Et elle fait quoi en passif? Attaque et défense plus 50%. Ouais, mais c'est pour elle. Ouais, c'est pour elle, quoi. C'est pas ouf. Ouais, non, là, vraiment... On est un peu déçus, là. On est un peu déçus, du coup. Je relance immédiatement la deuxième multi-invocation. Encore une fois, le grand serpent, le gras Shenron. Il est là. Et bien, c'est parti. Allez, monsieur Shenron, fais-moi rêver cette fois-ci. SSJ1, SSJ2 et pas de SSJ3.
Bon, je préférerais avoir moins de SSR, mais des SSR stylés, plutôt que les vieilles merdes que je viens d'avoir. Bardock pour démarrer. Le petit Gohan pour suivre. Ça me pas beau, cette histoire. Yakon. Bah dis donc, Bardock et Yakon, on dirait ils aiment bien le portail. Le maître de la grue. Oh, je la sens pas, cette multi, non plus. Bojack. Bah, c'est pas le LR. C'est pas le LR, celui-là. Ça, c'est le puissance. Ça a rien à voir avec le LR. Oh non, on me dit pas que c'est le SSR, ça, non? Non, c'est pas le SSR. Raditz, quand. Oh là là. Par contre, là, mon jeu, il bug d'un coup. Hein. Ouah, il est en train de ramer. On va se taper une seule SSR sur la multi. Alors, j'espère que ça sera le leader, parce que si c'est pas le leader, c'est triste. Hein. Alors, on va avoir un seul SSR. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que c'est que cette merde, là? Bergamo, là. Ah, il est nul. Et c'était le dernier? Oh. Heureusement que j'ai pas payé les 100 DS, parce que sinon... Heureusement, on les a pas payés, ouais, putain. Parce qu'à fond, mal. Alors là, rien que pour ça, je fais deux singles sur ce portail. Hein. Je suis sûr que même lui, il m'apportera plus de chance, limite. Hein. Allez. Ah ouais, non, là, le portail Bardock... Oh. Ah, il m'a chié dessus, hein, mais royalement. Hein. La vache. Oh, et c'est J3. Bon, mais déjà, j'ai une SSR sur une première single. Refait. C'est quoi? Couleur. Ouais. Ouais, couleur. Bon, après, couleur, je vais pas en faire grand-chose pour le coup, mais... En une single, une SSR, quand même. Mais... Ouais, j'en refais une. Rien que pour ça, j'en refais une. Mais, ouais... Alors, Bergamo, quoi. Bergamo. Oh, ça t'as à gauche. Peut-être un bye-bye, les gars, ou pas? Bye-bye? Ah, il s'est transformé, dommage. Dommage. 1, 2 uniquement. Eh, on va pas avoir des SSR à toutes les singles non plus, on va pas déconner. Et ça sera Raditz pour terminer. Ok. Bon. Après... Mais ouais, bon, un total de 5 SSR en 2 multi-invocations. En soi, c'est pas mal. Hein, en termes de SSR, c'est pas mal. Mais c'est aucune SSR que je vais utiliser. Donc, compliqué, quoi. Compliqué. Ouais, voilà. Donc, on a eu Piccolo, le Goten, Végéto, C18, Bergamo et Couleur. Ouais, je suis un peu déçu. Ah, je vous l'avoue, depuis qu'ils ont mis les SSR garanties dans les portails, les SSR garanties, à chaque fois, c'est de la merde. Hein, c'est vraiment de la grosse merde. Alors bon, c'est bien, hein, ça motive hein, d'avoir des SSR, mais quand t'as pas ce que tu veux, et là, en l'occurrence, j'ai aucun des trois présents sur la bannière, ça fait mal, quoi. Si j'avais pas Bardock, si j'aurais Omega ou le Goku Orange, à la rigueur, bon, allez, ça aurait été sympa. Même pas un des trois, quoi. Même pas un des trois, putain, il est classe, quand même. Il est classe, quand même, le Bardock SSJ3, il est classe. J'aurais bien aimé l'avoir, bon, ben malheureusement, tristesse, je ferai sans, puisque je n'ai que 3 DS, et je n'invoquerai pas à nouveau dessus, puisque, eh bien, je ne mettrai pas de l'argent sur ce portail-là. Ouais, j'ai mal à mon petit cœur, mais c'est pas grave, j'espère que la prochaine fois, j'aurai un peu plus de chance. En tout cas, écoutez, j'espère que vous, de votre côté, vous avez eu un peu plus de chance que moi. N'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaire, bien sûr. Avant de terminer la vidéo, pensez à mettre un maximum de pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous avez envie de parler de Dokkan ou de plein d'autres jeux ou de ce que vous voulez. N'hésitez pas, Twitter essentiellement, c'est là où je suis le plus actif. Snapchat, Instagram aussi, vous pouvez à la rigueur. Facebook, laissez tomber Facebook, je ne l'utilise strictement plus. Donc voilà, n'hésitez pas, tous les liens dans la description. Encore merci d'avoir suivi cette vidéo. Et malheureusement, encore une fois, eh bien, on se quitte dans la tristesse puisque mes dernières vidéos invocations sont pas fameuses, hein, clairement elles sont pas fameuses. Mais bon, c'est le jeu, c'est l'e-sport et c'est comme ça. Voilà, on termine ici. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Dokkan Battle et notamment des vidéos invocations. Ciao tout le monde!